Si le Festimum propose des spectacles le week-end, son objectif est aussi de permettre aux enfants qui n'ont pas forcément la chance ou l'occasion d'y aller en famille, eh bien d'y aller quand même. Et la meilleure façon pour essayer de toucher au maximum les petites têtes blondes, c'est l'école ou les structures qui accueillent des enfants. C'est le cas par exemple de la compagnie Meurthe et Mosellane du théâtre Burle qui proposait son spectacle Otus en public familial le week-end et aux classes de maternelle le reste de la semaine. Des centaines d'enfants de Romba mais aussi de toute la région ont ainsi pu découvrir ce petit bijou de poésie et de délicatesse. Le spectacle ne dure que 30 minutes, mais c'est largement suffisant pour des petits-enfants de 2 ans qui rentrent ainsi en douceur dans l'univers du théâtre jeune public. Joué plus de 500 fois par la compagnie, Otus raconte l'histoire de ce petit personnage, enfant du ciel et de la terre. Il a germé au milieu des feuilles et apprend la vie comme pourrait le faire n'importe quel petit enfant. Il apprend donc à marcher, à sauter, à grimper aux arbres, à trouver de la nourriture, mais aussi à surmonter l'impossible, à tomber et à se faire chouchouter, à apprivoiser ses angoisses comme la peur du noir ou des monstres. Ici, pas d'acrobatie, pas de paroles ou presque pas. Pas d'effets spéciaux, une musique que l'on fredonne volontiers à la fin du spectacle et deux comédiens manipulateurs qui arrivent à se faire oublier dans ce décor original et à nous faire aimer ce petit personnage si proche de la réalité, si proche surtout des enfants, captivés par cette histoire qui leur ressemble. Otus est une petite perle précieuse dans ce monde du théâtre jeune public, la compagnie et Lorraine, et c'est l'un de nos coups de cœur de ce festival.